Insuffisance cardiaque, et si on en parlait? La Minute Santé et Prévention. Docteur Florence Beauvais, bonjour. Vous êtes cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Existe-t-il des symptômes de l'insuffisance cardiaque et quels sont-ils? Oui, il existe des symptômes qui peuvent évoquer le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. On peut les regrouper sous l'acronyme EPOF, E pour essoufflement, P pour prise de poids rapide, O pour œdème et F pour fatigue. À partir du moment où l'on présente au moins deux de ces quatre signes, il faut aller consulter son médecin traitant, voire un cardiologue. Plus l'insuffisance cardiaque sera prise en charge précocement, mieux elle sera traitée. Et quelle prise en charge nécessite ces symptômes? On parle de règles EPON. Qu'est-ce que c'est? Une fois que le diagnostic d'insuffisance cardiaque est fait, il va falloir mettre en place une stratégie thérapeutique qui associe des médicaments, mais aussi un mode de vie adapté. Et ce mode de vie adapté peut se regrouper cette fois-ci sous l'acronyme EPON, E pour exercice régulier, P pour